lorsque vous verrez l'abominable dévastateur installé là où il ne doit pas être, que le lecteur comprenne, alors que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit en terrasse ne descende pas, qu'il ne rentre pas pour prendre quelque chose chez lui, et que celui qui sera au champ ne retourne pas en arrière pour prendre son vêtement. Quel malheur pour les femmes enceintes et pour celles qui allaiteront ces jours-là. Priez pour que cela n'arrive pas en hiver. Car en ces jours-là seront des jours de détresse, d'une détresse telle qu'il n'y en a pas eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé, jusqu'à maintenant, et qu'il n'y en aura jamais plus. Si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. Mais il a abrégé ces jours à cause de ceux qu'il a choisis. Alors si quelqu'un vous dit « Le Christ est ici, il est là-bas », ne le croyez pas. Car des Christs de mensonges et des prophètes de mensonges se lèveront. Ils donneront des signes et des prodiges pour égarer, si c'est possible, ceux qui ont été choisis. Soyez sur vos gardes, je vous ai bien prévenu. Mais en ces jours-là, après cette détresse-là, le ciel s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec beaucoup de puissance, avec gloire. Alors il enverra les anges et rassemblera les quatre vents de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel, ceux qu'il a choisis. Laissez-vous instruire par la parabole tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez ces choses arriver, sachez qu'il est proche, aux portes. Amen, je vous le dis,
cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. Il en sera comme d'un homme qui, partant en voyage, laisse sa maison, donne autorité à ses esclaves, à chacun sa tâche, et commande aux gardiens de la porte de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou au matin. Craignez qu'il n'arrive à l'improviste et ne vous trouve endormi. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. La Pâque et les pains sans levain devaient avoir lieu 2 jours après. Les grands prêtres et les scribes cherchaient comment faire arrêter Jésus par ruse et le tuer, car ils disaient « pas en pleine fête », de peur qu'il n'y ait de l'agitation parmi le peuple. Comme il était à Béthanie, chez Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il était à table. Elle tenait un flacon d'albâtre plein d'un parfum de nard pur de grand prix. Elle brisa le flacon et répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns s'indignaient. « À quoi bon gaspiller ce parfum ? On aurait pu vendre ce parfum plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. » Et il s'emportait contre elle. Mais Jésus dit, « Laissez-la. Pourquoi la tracassez-vous? Elle a accompli une belle œuvre à mon égard. Les pauvres, en effet, vous les avez toujours avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour l'ensevelissement. Amen, je vous le dis, partout où la bonne nouvelle sera proclamée dans le monde entier, on racontera aussi, en mémoire d'elle, ce que cette femme a fait. Thank you.
Iscariote, l'un des 12, alla trouver les grands prêtres afin de le leur livrer. Quand ils l'entendirent, ils se réjouirent et promirent de lui donner de l'argent. Et ils cherchaient une occasion pour le livrer. Le premier jour des pains sans levain, le jour où l'on sacrifiait la Pâque, ses disciples lui disent « Où veux-tu que nous allions te préparer le repas de la Pâque ?» Il envoie deux de ses disciples et leur dit « Allez à la ville. Un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le. Et là où il entrera, dites au maître de maison. » Le maître dit « Où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples ?» Il vous montrera une grande chambre à l'étage, aménagée et toute prête. C'est là que vous ferez pour nous les préparatifs. Les disciples partirent, arrivèrent à la ville, trouvèrent les choses comme il leur avait dit et préparèrent la Pâque. Le soir venu, il arrive avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit « Amen, je vous le dis, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. » Attristés, ils se mirent à lui dire l'un après l'autre « Est-ce moi ?» Il leur répondit « C'est l'un des 12, celui qui met avec moi la main dans le plat. » Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais quel malheur pour cet homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme ne pas être né. Pendant qu'il mangeait, il prit du pain. Après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe. Après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Il leur dit alors « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour une multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du produit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté, ils sortirent vers le mont des Oliviers. Jésus leur dit « Il y aura pour vous tous une cause de chute, car il est écrit « Je frapperai le berger et les moutons seront dispersés. Après mon réveil, je vous précéderai en Galilée. » Pierre lui dit « Quand cela serait pour tous une cause de chute, cela ne le serait pas pour moi. » Jésus lui répond « Amen, je te le dis. Aujourd'hui, cette nuit même, avant qu'un coq ait chanté deux fois, toi, tu m'auras renié par trois fois. » Mais lui n'en protestait que davantage. « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous en disaient autant. Thank you.
ils arrivent au lieu nommé Gethsémani. Et il dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il commença alors à éprouver l'effroi et l'angoisse. Il leur dit, « Je suis triste à mourir. Demeurez ici et veillez. » S'étant avancé un peu, il tombait à terre et priait pour que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, « Abba, Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. » Il vient et les trouve endormis. Il dit alors à Pierre, « Simon, tu dors. Tu n'as pas été capable de veiller une heure. Veillez et priez afin de ne pas entrer dans l'épreuve. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » Il s'éloigna encore et pria en répétant les mêmes paroles. Puis il revint et les trouva endormis, car ils avaient les yeux lourds. Ils ne savaient que lui répondre. Il vient pour la troisième fois et leur dit, « Vous dormez encore, vous vous reposez. » C'en est fait. L'heure est venue, le Fils de l'homme est livré aux pécheurs. Levez-vous, allons. Celui qui me livre s'est approché. Aussitôt, comme il parle encore, survient Judas, l'un des douze, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyée par les grands prêtres, les scribes et les anciens. Celui qui le livrait leur avait donné un signal. « Celui que j'embrasserai, c'est lui, arrêtez-le et emmenez-le sous bonne garde. » Aussitôt arrivé, il s'approche de lui et lui dit « Rabbi ». Et il l'embrassa. Alors, ils mirent la main sur lui et l'arrêtèrent. Un de ceux qui étaient là tira l'épée, frappa l'esclave du grand prêtre et lui emporta l'oreille. Jésus leur dit, « Vous êtes sortis pour vous emparer de moi avec des épées et des bâtons, comme si j'étais un bandit. Tous les jours, j'étais parmi vous à enseigner dans le temple et vous n'êtes pas venus m'arrêter. » Mais c'est pour que les Écritures soient accomplies.
Alors, tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, vêtu seulement d'un drap. On l'arrête, mais lui, lâchant le drap, s'enfuit, tout nu. Ils emmenèrent Jésus chez le grand prêtre. Tous les grands prêtres, les anciens et les scribes se réunirent. Pierre l'avait suivi de loin jusqu'à l'intérieur du palais du grand prêtre, dans la cour. Assis avec les gardes, il se chauffait près du feu. Les grands prêtres et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort. Et il n'en trouvait pas, car beaucoup portaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne concordaient pas. Quelques-uns se levaient pour porter contre lui ce faux témoignage. Nous l'avons entendu dire, « Je détruirai ce sanctuaire fabriqué par des mains humaines, et en 3 jours, j'en construirai un autre qui ne sera pas fabriqué par des mains humaines. » Et même sur ce point-là, leur témoignage ne concordait pas. Alors le grand prêtre se leva au milieu de l'assemblée et demanda à Jésus : Tu ne réponds rien ? Que dis-tu des témoignages que ces gens portent contre toi ? Il gardait le silence. Il ne répond rien. Le grand prêtre lui demandait encore :
Est-ce toi qui es le Christ, le Fils du béni ? Jésus répondit, c'est moi. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance et venant avec les nuées du ciel. Alors le grand prêtre déchira ses vêtements et dit, qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Vous avez entendu le blasphème. Qu'en pensez-vous ? Tous le condamnèrent, le déclarant passible de mort. Quelques-uns se mirent à lui cracher dessus, à lui voiler le visage et à le frapper à coups de poing en lui disant « Fais le prophète !» Et les gardes le reçurent avec des gifles. Pendant que Pierre était en bas, dans la cour, une des servantes du grand prêtre arriva. Voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarde et dit « Toi aussi tu étais avec Jésus le Nazaréen. » Il le nia en disant « Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire, toi. » Puis il sortit pour aller dans le vestibule. Alors un coq chanta. La servante le vit et se remit à dire à ceux qui étaient là, « C'est l'un d'entre eux !» Lui, à nouveau, le niait. Peu après, ceux qui étaient là disaient encore à Pierre, « Vraiment, tu es de ces gens-là, car tu es aussi Galiléen !» Alors il se mit à jurer, sous peine d'anathème, « Je ne connais pas l'homme dont vous parlez. » Aussitôt, un coq chanta pour la seconde fois. Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. « Avant qu'un coq ait chanté deux fois, tu m'auras renié par trois fois. »
Dès le matin, les grands prêtres tinrent conseil avec les anciens, les scribes et tout le Sanhédrin. Après avoir lié Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Pilate lui demanda « Es-tu le roi des Juifs, toi ?» Il lui répond « C'est toi qui le dis. » Les grands prêtres portaient contre lui beaucoup d'accusations. Pilate lui demandait encore « Tu ne réponds rien ? Vois tout ce dont ils t'accusent. » Mais Jésus ne répondit plus rien, ce qui étonna Pilate. À chaque fête, il leur relâchait un prisonnier, celui qu'ils réclamaient. Un nommé Barabbas était en prison avec des émeutiers pour avoir, lors d'une émeute, commis un meurtre. La foule monta et se mit à demander qu'il agisse envers eux comme il avait coutume de le faire. Pilate leur répondit : Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ? Car il savait que c'était par envie que les grands prêtres l'avaient livré. Mais les grands prêtres soulevèrent la foule pour qu'il leur relâche plutôt Barabbas. Pilate reprit : Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ? Ils se remirent à crier : Crucifie-le ! Pilate leur disait : Quel mal a-t-il donc fait ? Mais ils crièrent de plus belle : Crucifie-le ! Pilate décida de satisfaire la foule. Il leur relâcha Barabbas et, après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié. Les soldats l'amenèrent à l'intérieur du palais, le prétoire, et ils appellent toute la cohorte. Ils l'habillent de pourpre et posent sur sa tête une couronne d'épines tressée. Puis ils se mirent à le saluer. « Bonjour, roi des Juifs !» Ils lui frappaient la tête avec un roseau, lui crachaient dessus, et fléchissait les genoux pour se prosterner devant lui. Après s'être moqué de lui, ils lui ôtèrent la pourpre et lui remirent ses vêtements. Puis ils l'emmenèrent pour le crucifier. «
pour porter sa croix, il réquisitionne un passant qui vient de la campagne, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Et ils conduisent Jésus au lieu dit Golgotha, ce qui se traduit « lieu du crâne ». Ils voulurent lui donner du vin aromatisé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Il le crucifie et se partage ses vêtements en tirant au sort ce que chacun emporterait. C'était la troisième heure quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots « le roi des Juifs ». Avec lui, il crucifie deux bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Il disait « Hé, toi qui détruis le sanctuaire et le reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même et descends de la croix !» Les grands prêtres aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient « Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. » Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. À la sixième heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la neuvième heure. À la neuvième heure, Jésus cria « Eloi, Eloi, lema sabachthani », ce qui se traduit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Thank you.
Quelques-uns de ceux qui étaient là l'entendirent. Ils disaient, « Tiens, il appelle Élie. » Quelqu'un courut remplir de vin aigre une éponge et la fixa à un roseau pour lui donner à boire, en disant, « Laissez, voyons si Élie va venir le descendre de là. » Mais Jésus laissa échapper un grand cri et expira. C'est le commencement d'un silence. Après l'appel de Jésus crucifié, à la fois désolation et confiance, Jésus, qui devant l'avance de la mort n'avait déjà plus de mots et a emprunté ceux d'un psaume, après les moqueries de certains des présents, cruauté ajoutée à la souffrance par la haine envers ceux à qui l'on fait du mal, après le cri de Jésus expirant, sans articulation, cri d'une souffrance au-delà des mots, grand cri d'un souffle arraché au corps, défaite de la vie humaine telle que la Genèse la dessine de chair et de souffle. Après le crissement du voile déchiré dans le temple, c'est le silence. Le silence de la mort, le silence du deuil. C'est le début du deuxième jour, sur lequel il vaut mieux ne pas passer trop vite en regardant trop vite, tout de suite, au troisième jour. Après la mort, le silence, la suspension des mots, peut-être même des pensées qui filent en avant, pour prendre le temps du souvenir, le temps de la méditation, qui ne va jamais très vite. Le deuxième jour, c'est un temps mis à part. C'est déjà le jour du Shabbat qui va débuter à la tombée de la nuit, car au Proche-Orient, la journée s'étend d'un coucher de soleil à l'autre. Que représente ce jour particulier, ce jour mis à part pour les femmes qui regardent de loin? Et pour les hommes, les disciples qui ont disparu la plupart depuis l'arrestation de Jésus et Pierre depuis qu'il a renié. N'y a-t-il que le silence et la mort? À la suite de la première épître de Pierre où il est écrit que le Christ est allé proclamer aux esprits en prison, l'Église, depuis l'Antiquité, a affirmé qu'il était descendu aux enfers pour accomplir son œuvre de libération auprès de ceux déjà disparus, déjà oubliés. Mais pour les hommes, les femmes, commence le silence. Où peuvent peut-être s'insérer quelques paroles essentielles comme celles à venir du centurion au pied de la croix. Commence le temps du silence, pour faire face à la mort, pour entrer dans le temps du deuil. Dans des deuils anciens qui ne sont pas passés, des deuils difficiles de ceux qui sont impossibles. Tant de l'irrémédiable, de l'irréparable, pour mesurer la perte et l'absence. Tant pour rester avec quelques mots seulement ou seulement des demi-mots, pour rester assis, les uns avec les autres, mais parfois, comme en ces jours-ci, cela n'est même pas possible. Le silence s'est saisi de la désolation, de l'écho de l'appel et du cri de Jésus, du désarroi et des peurs des hommes et des femmes. Commence le temps du silence pour ma misère, pour ma peine, pour ma fragilité, pour ma pauvreté, en ce jour où je ne peux plus les éviter, les camoufler ou les oublier. Et avant qu'elles ne soient visitées d'un souffle renouvelé, d'une parole relevée. Le silence s'est emparé des rythmes habituels,
Il suspend les agitations, les inclinations à toujours parler et faire. Il investit les mémoires courtes, les oublis bien enfouis, les intentions qui le sont restées. Il rassemble tous les Abel, tous les agneaux livrés au bourreau et au couteau. Commence le temps du silence pour les exodes, les exils, les migrations de cris et de sang, pour les bateaux qui n'abordent jamais aucun rivage, pour celles et ceux qui sont brisés, submergés, rongés, épuisés, comme si Dieu lui-même retenait son souffle. Le silence est approprié le Saint des Saints dans le temple de Jérusalem et ce que le temple et ses sacrifices représentaient. Le lieu pour le pardon, le lieu pour renouer avec Dieu, ce lieu est devenu vain. Un voile déchiré ne fait pas grand bruit, mais c'est la fin d'une époque, la fin d'un temps, la fin d'un monde et de ses représentations religieuses de Dieu. Commence le temps du silence, pour les bouleversements, pour les interrogations, pour les angoisses, pour les pourquoi qui n'ont pas encore de réponse, et pour demain qui ne ressemble encore à rien. Commence le temps du silence, le temps des profondeurs, le temps du deuxième jour. Amen. Le voile du sanctuaire se déchira en deux, d'en haut jusqu'en bas.
Voyant qu'il avait expiré de la sorte, le centurion qui était là en face de lui dit « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu ». Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin, parmi elles Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques le mineur, et de José, et Salomé, qui le suivait et le servait lorsqu'il était en Galilée, et beaucoup d'autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Le soir était déjà là, et comme c'était le jour de la préparation, la veille du sabbat, Joseph d'Arimathée, un membre honoré du conseil qui attendait lui aussi le règne de Dieu, arriva. Il osa se rendre chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Étonné qu'il soit déjà mort, Pilate fit appel au centurion et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. Renseigné par le centurion, il donna le corps à Joseph. Celui-ci acheta un drap,
descendit Jésus de la croix, l'enveloppa avec le drap et le mit dans un tombeau taillé dans le roc. Puis il roula une pierre contre l'entrée du tombeau. Marie-Madeleine et Marie, mère de José, regardaient où on l'avait mis.